Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va pas être une vidéo recette et là ça va être une vidéo rangement. Il y a 2 semaines j'avais fait une vidéo un peu vlog où je vous montrais le rangement que j'étais en train de faire chez moi, le tri et le fait que j'essaye d'aller vers le minimalisme. Et je vous avais expliqué qu'il me restait plus que le bureau à trier et finalement j'ai pas trop eu le temps parce que je travaillais 4 jours à France 3 cette semaine-là. Et donc genre, au final j'avais à peine trié, commencé à trier mes papiers, j'avais pas du tout fini. Donc je vous avais demandé si ça vous intéressait de voir la suite, il y a certaines personnes qui m'ont dit que oui. Donc comme là cette semaine je travaille pas et que j'ai le temps parce que ma rentrée pour ma formation community manager c'est pas tout de suite, c'est la semaine prochaine je crois en fait. Du coup là cette semaine j'ai bien le temps. Donc je vais vous montrer ça et en fait là c'est vraiment le bordel parce que du coup ça fait genre 2 semaines que je me dis que je vais trier le bureau, enfin ranger le bureau. Et je le fais pas, et du coup comme j'avais tout sorti des armoires, j'avais tout laissé en plan pour trier, en fait je l'ai pas fait, donc c'est le gros bordel. Je dirais limite que j'ai fait exprès tout le bordel, mais pas du tout. Donc voilà le bazar. Il y a des trucs qui traînent partout, genre là il y a des câbles, là mes boîtes, genre c'est le bazar dedans. Ici il y a une montagne de papier, alors la pile en dessous c'est ce que je devais jeter quand j'ai fait mon tri il y a 2 semaines, mais je l'ai pas jeté. Et au-dessus il y a des trucs importants qui se sont rajoutés, du coup tout est mélangé maintenant, c'est génial. Ça c'est le bureau de mon copain, il est moins en bordel que le mien alors que d'habitude c'est inverse. Et du coup pour vous montrer tout ce qu'il y a à trier, j'ai ouvert les placards. Donc ces deux là c'est les vêtements de mon copain, et ça on a déjà trié donc c'est pas la peine de le faire. Mais du coup là ce que je voudrais ranger, trier, etc, c'est là où c'est surtout des cartons de trucs d'ordi et nos valises. L'armoire là où c'est, bon là c'est des tote bags, des déguisements, et là c'est des sacs que je garde parce que à chaque fois que j'avais un sac ou le chelet je le garde, et du coup j'ai plein de sacs, j'ai des sacs en papier, des sacs en plastique, et je les garde, ça prend plein de place et en fait ça me sert plus parce que maintenant j'ai des tote bags, donc faudrait que je fasse un tri là-dedans. Cette boîte là c'est tous des trucs électroniques, mes cours de lycée BTS fac, des papiers. Dans ces tiroirs c'est tout ce qui est fourniture, genre des crayons, des carnets et tout. Et puis là c'est encore d'autres trucs. Donc voilà tout ce qu'il y a à ranger, c'est n'importe quoi. Donc voilà, vous avez vu, il y en a un peu de partout et il y a pas mal de choses. Il y a des trucs plus électroniques, il y a des papiers, il y a des sacs, il y a mes cours de lycée, BTS, etc. Et enfin, du coup voilà, c'est pour ça que je vais faire ça sur toute la semaine en filmant un peu. Bon, j'ai réussi à ranger un petit peu, j'ai réussi à débarrasser mon bureau, j'ai rassemblé les trucs qui étaient vides, ça c'est plus ce qui est électronique. Et par contre, j'ai rassemblé tous les papiers et voilà. Genre il y a 15 000 piles de plein de papiers et du coup c'est ça que je vais devoir trier. J'ai fini de séparer les trucs par rapport à ce que c'est. Cette pile là du coup c'est les trucs à jeter, mais vu que j'ai pas encore trié chaque pile, il va y avoir encore plein de choses à jeter. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais prendre une pile à la fois et trier, enlever ce qui sert à rien et ranger ce que je garde. Bon, on se retrouve 3 heures plus tard. Bon, j'ai pas fait que ça, hein. Il y a un moment j'en ai eu trop marre, j'étais regarder des vidéos sur YouTube en mangeant des tartines de confiture. Mais j'ai quand même un peu avancé. Du coup, ça ici là, c'est tout ce que j'ai déjà trié. Et ça, les deux colonnes, c'est ce qui me reste à trier. Du coup, bah, on se retrouve demain pour la suite.
Hello, on n'est pas le lendemain, on est 2 jours plus tard, on est mercredi aujourd'hui. Hier j'ai pas du tout rangé et du coup j'ai tout laissé en plan, mais là j'ai pas la tête à ranger, mais c'est tellement le bazar qu'il faut bien que je le fasse. Du coup je vais continuer mon tri et mon rangement de papier. Donc comme lundi, hein, je vais faire une pile des feuilles à jeter et après je vais mettre de côté ce que je garde et je le rangerai un peu mieux après. Donc voilà, ça fait 2 jours que c'est le bordel comme ça, j'ai absolument rien rangé, j'ai laissé les piles telles quelles, enfin j'ai essayé de faire un peu de place là, mais voilà, du coup je vais m'occuper de ça. Ça y est, j'ai enfin fini de ranger mes papiers, de les trier. C'était long. Je vais vous montrer ce qui me reste et ce que je vais jeter, c'est... Je suis fière de moi. Du coup ça c'est ce qui me reste, ça va par rapport à ce qu'il y avait au départ. Et tout ça, c'est ce que je jette. Donc c'est quand même une sacrée pile hein. Par rapport à ma main. Et ça, c'est toutes les pochettes qui sont vides maintenant, tout ce que j'ai récupéré en pochette. Du coup, voilà. Je suis fière de moi. Salut, aujourd'hui on est jeudi, je vais continuer mon tri. En fait là du coup les papiers j'ai fini de trier, mais il me restait à tous les ranger. Et en fait les rangements que j'avais j'aimais plus trop et c'était pas pratique, du coup je viens d'en acheter, je vais vous montrer ça. Alors pour tout ce qui est scolarité, j'ai pris un trieur. Comme ça pour chaque école que j'ai faite, je peux mettre les papiers dedans. Donc c'est bien pratique, il y a 8 compartiments. J'en ai acheté un deuxième pour tous les papiers, plus de logement et les papiers en général. Et après j'ai acheté des méga pochettes, donc celle-là ça va, elle est pas encore trop grosse. Ce sera pour mettre toutes mes fiches de paie et de France 3. Parce qu'avant je les avais en papier, du coup ça prenait de la place, maintenant je les ai en numérisé. Du coup celle que j'ai et que je dois garder, je les vais mettre là-dedans. Et après j'ai deux énormes pochettes comme ça. Il y en a une, je vais mettre tous mes contrats France 3 parce que ça c'est pareil, avant je les recevais en version papier et il y avait 5 pages à chaque fois pour chaque jour de travail, du coup j'en ai beaucoup donc je vais mettre là-dedans. Et j'en ai acheté une deuxième pour tout ce qui est compte, ouverture de compte, travaux pour la maison, enfin tous ces papiers-là qui sont pour la maison et qui prennent vraiment de la place. Donc voilà. Il y a Oli qui se prélasse sur le canapé comme toujours. Hein? C'est tout doux ici. Regardez ce que j'ai eu comme cadeau de Valentin. Trop mignon. Elles sont trop belles. Des belles roses. Et puis là, il y a des. Je sais pas comment ça s'appelle ces fleurs-là, mais celle-là, elle s'est ouverte hier. Trop, trop beau. Et voilà, j'ai fini de tout ranger. Il me reste plus que 4 trucs différents. Du coup, c'est trop bien. Il reste vraiment plus que ça. Et du coup, c'est trop pratique pour tout ranger. Du coup, voilà, j'ai tout mis dans une case comme ça vient d'IKEA, c'est en tissu. Et voilà. Hello, aujourd'hui on est vendredi, donc c'est le dernier jour de la semaine. J'étais censée avoir fini le rangement du bureau, mais c'est pas trop ça, du coup je vais essayer de m'y mettre à fond aujourd'hui. Et du coup, pour que ce soit plus simple pour moi, j'ai genre. Enfin, je préfère vider toute l'armoire et ranger ce qui est sorti de l'armoire plutôt que de regarder dans l'armoire ce qu'il y a, sortir des trucs, remettre des trucs, enfin. Du coup, là j'ai tout vidé. Comme ça, je suis tranquille, je sais que tout est vidé. Et du coup, tout le bazar est là et ici. Mais comme j'ai déjà rangé mes papiers, ben, ça au moins c'est fait. Ah tiens, je vais vous montrer. Là, j'ai mes laines faire du tricot. En fait, j'utilise ça. Ça s'appelle un tricotin. Et là, il y en a de 4 tailles différentes. Et en fait, ça fonctionne comme ça. On met la laine autour des picots et en faisant. D'une certaine manière, après on arrive à faire des écharpes par exemple. Et pour Noël, j'avais offert à une de mes sœurs une écharpe comme ça avec cette laine là. J'avais trop aimé. Et là, à la braderie, j'avais acheté celle-là en couleur moutarde pour me faire une écharpe pour cet hiver. Et d'ailleurs, la laine qui est là, il en reste plus beaucoup. Ça avait servi pour faire truc dans ma cuisine. Ça m'avait servi pour faire ça en fait. Et en fait ça c'était un essai et au final la taille faisait pile la taille de ce panier, du coup je le mets dedans. Et je trouve ça super joli. Bon là je suis en train de trier mes sacs et c'est un peu n'importe quoi, genre j'en ai plein. Tout ça je vais les jeter, c'est des sacs qui sont recyclables. Ceux-là c'est plus des sacs genre en plastique comme ça, je sais pas trop si ça se recycle, du coup je vais les garder. Ou alors j'en ai gardé quelques-uns comme ça avec des poignées assez solides, ça peut toujours servir. Après là c'est des sacs en plastique, du coup je pense que je vais les garder, il n'y en a pas trop, ça va. Et après ça c'est mes tote bags et ça c'est les gros sacs de course hyper solides et des sacs en tissu. Et du coup ça me saoule parce que ça fait genre
un an que quand j'achète un truc, j'utilise un tote bag. Donc ça fait un an que je vais pouvoir ramener vraiment de sacs comme ça et j'en ai plein parce que je les trimballe tout le temps depuis tous mes déménagements. Du coup, je vais jeter tout ça et ceux-là, je vais les garder. Mais je suis sûre qu'en vrai, il n'y a même pas la moitié de ce que je vais garder qui vont me servir. Mais après, comme on va bientôt déménager, je me dis que ça servira peut-être pour, par exemple, pour ranger les vêtements pour le déménagement. Du coup, voilà, je vais pas tout jeter non plus. Voilà, j'ai tout rangé. Du coup, à la base, mes sacs étaient dans un truc comme ça, donc c'est quand même assez gros et assez haut aussi. Et du coup, là, j'ai tout mis là-dedans. Donc là, c'est ceux qui sont plus genre en papier. Ça, c'est ceux en plastique, ça, c'est ceux en tissu. Et du coup, hop, c'est bon. Et ça, c'est les sacs de course. J'ai mis là-dedans et je mettrai dans l'armoire parce que ça, on en a besoin plus souvent. J'ai enfin osé ouvrir le fameux carton des cours de lycée, BTS et fac. Et j'avais oublié qu'il y avait autant de choses dedans. Bon, la fac, ça va. J'ai gardé juste ça. Genre, ça prouve à quel point les cours m'intéressaient pas vraiment. J'ai gardé ça. Mais sinon, BTS, il y a quand même. Donc, BTS audiovisuel, il y a quand même deux piles de pochettes de cours pour les 2 années. Ça, c'est tout lycée. J'ai gardé tout ce qui était audiovisuel, SVT, physique et maths. Et philo aussi. Et ça, c'est ce qui me reste du collège. Donc, c'est l'anglais 4e et 3e avec une prof que j'aimais trop. Et du coup, j'étais genre trop au taquet sur les cours. Genre, oula, il y a du fléau partout. Mais ouais, j'ai gardé ça, on va savoir pourquoi. Du coup, voilà, je me retrouve avec tout ça, c'est n'importe quoi. Et en plus, il y a plein de pochettes, elles sont genre comme neuves. Je m'en suis juste servi pour mettre les cours dedans. Mais voilà, je pense que je vais juste tout jeter, récupérer les pochettes et des données, je pense. Je me souviens qu'en terminale, le prof de SVT, à chaque fois, il prenait mon cahier pour savoir où on s'était arrêté au cours d'avant. Parce que, genre, mes cours étaient trop bien pris. J'avoue que c'est propre, c'est clair. Je collais les petites feuilles et tout. Je fais des petits dessins. Ça me fait trop de peine de jeter ça. Tant de travail et d'application. Que jette de mes cours, c'est vraiment énorme par rapport à la chaise. On est presque au niveau de l'assise, c'est n'importe quoi tout ce qu'il y a. Oh là là, et du coup, ça c'est tout ce qui est papier, et ça c'est tout ce qui est plastique. Donc il y a un vieux porte-vue tout moche, pochette, et ça c'est les couvertures de certains cahiers qui sont en plastique. Du coup, je me suis dit qu'il valait mieux pas le laisser avec le papier. Donc ça, je mets dans la poubelle papier, ça, je mets dans la poubelle plastique, je pense. Dites-moi en commentaire si c'est ça qu'il faut faire, parce que je suis même pas sûre. Et ça, je sais pas, j'en ai déjà plein qui sont tout neufs. Du coup, j'ai pas envie de garder ceux-là, je sais pas quoi en faire. Et du coup, j'ai récupéré tout ça en pochettes cartonnées qui sont comme neuves. Donc je pense que je vais mettre sur Give, comme ça servira à quelqu'un. Tout ce qui est pochette transparente, je les ai mises dans un porte-vue comme ça. Et je vais le mettre dans les trucs que je dois te donner. Alors là, je viens de finir de trier cette partie-là. Donc en fait, il n'y avait pas grand-chose à enlever parce que ça, c'est nos valises. Et le carton de droite, c'est mes boîtes de composants d'ordinateur. Et la boîte de gauche, c'est ceux de mon copain. Et la petite boîte là, c'est la boîte de notebooks. Du coup, on doit la garder. Donc en fait, cette partie-là, c'était assez facile. Il y avait juste des petits trucs à enlever. Et du coup, là, je m'attaque à ces tiroirs-là où c'est plus des trucs genre fournitures. Donc c'est tout ce qui est papier, genre brouillon ou papier d'imprimante, des cahiers de bullet journal et aussi de calligraphie. Enfin voilà, pas mal de choses, plus fournitures.
j'ai enfin fini de tout ranger, donc je vais vous montrer ça vite fait. Donc là j'ai réussi à enlever deux boîtes, donc maintenant il n'y a plus grand chose sur ces étagères. Là donc j'ai mis tout ce qui était fourniture et tout, j'ai réussi à tout assembler dans ces quatre tiroirs. Sur mon bureau il n'y a plus rien, donc là je suis en train de faire le montage de cette vidéo. Ici non plus, il n'y a plus rien qui traîne, et là j'ai fait pas mal d'espace. Donc par rapport à avant, il y a vraiment beaucoup plus de place. Il y a même deux étagères qui sont restées vides, donc c'est top. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça n'a pas été trop brouillon, que j'ai réussi à faire un contenu quand même intéressant. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo si ça vous a plu et à me laisser un commentaire. Salut !